Alors la gouvernance humaine, de manière extrêmement concrète, c'est la manière dont les dirigeants, quelle qu'en soit la position dans l'entreprise d'ailleurs, conseil d'administration, PDG, DG, équipe de direction, c'est la manière dont on va mettre les gens au travail, tout en étant conscient que dans les décisions que l'on prend pour faire cela, on protège, on défend et on développe les valeurs auxquelles on tient. Donc la gouvernance humaine est très comportementale en fait. C'est comment être le garant que les hommes se comportent comme on aimerait bien qu'ils se comportent, les hommes et les femmes, dans l'entreprise, tout en étant sûr que l'on donne un sens à ce qu'ils font, que l'on garde bien entendu les valeurs de l'entreprise que sont aussi la rentabilité, ce n'est pas incompatible. Mais la gouvernance humaine, c'est être conscient que quand nous prenons une décision, il y a des conséquences, quel que soit le niveau de l'entreprise. Comme dans beaucoup de métiers, il faudrait qu'ils aient toutes les occasions pour apprendre à se connaître eux-mêmes, de saisir toutes les occasions qu'on leur donne en début de carrière, pendant la carrière et certainement tout au long de la carrière. Le deuxième point qui me semble essentiel aussi, c'est de très rapidement apprendre à vivre en communauté. On parle souvent d'un individu, d'un DRH, mais on oublie très souvent que c'est un membre d'une équipe. Et fonctionner en équipe, c'est une chose. Fonctionner en équipe et comprendre le reste de l'entreprise en est une autre, donc apprendre à vivre en communauté. Et enfin, je pense que quelles que soient les circonstances, et je pense que l'enseignement peut nous y aider, c'est d'apprendre à rester authentique. L'authenticité paye toujours. Donc, plutôt que d'en faire des techniciens, ce qu'ils apprendront le plus facilement, je pense qu'il faut leur donner des bagages personnels qui transforment l'envie d'être soi-même authentique et d'être le plus souvent possible en phase avec l'équipe et de la porter.